Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Olaf Jungle. On est avec un Garen, un Gangplank, un Twitch, une Janna, contre Yasuo, Sejuani, Orianna, Caitlyn et Morgana. Et comme vous le voyez, comme vous pouvez le voir, on a un petit souci de compo, c'est-à-dire qu'on a que de l'AD dans ma team. Autant dire que j'espère que Janna va être un gros carry AP, mais j'en doute un peu. C'est un choix bizarre là, je sais pas pourquoi ils ont pick comme ça. Moi j'ai pick dans les premiers, mais là on a que de l'AD quoi, donc c'est vraiment problématique. Alors qu'en face ils sont beaucoup plus équilibrés sur le ratio AD-AP. Donc ça va rush l'établi et la côte épineuse en face, je pense, et moi ça va me poser un sacré souci. Ça me fait un peu stresser, mais bon. Bah écoutez, on va faire au mieux, hein. La phase piqué ban qui est parfois un peu bizarre dans la manière dont ça se déroule. Et là, j'avouerai que je suis pas ultra serein, quoi. Mais bon. Allez, go. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va y aller direct sur le bleu adverse. J'ai envie de tenter une petite invade, à voir si ça follow ou pas. La réponse a l'air d'être un non catégorique de la part de notre cher botlane. Une gloire en face, c'est Jhenny, ouais, a priori ça commence au bleu. Ah, je serais chaud de tester un truc en vrai là. Ah, c'est Ward, ok. Fort bien, fort bien. Je m'en remets au jugement de mes mates qui ont choisi une team AD avec brio. Parfait, aucun souci. Ah, je suis pas serein, hein. Je suis pas serein du tout. En revanche, voilà, c'est Juani, comme c'est un perso qui se base beaucoup sur les contrôles, moi ça me fait pas trop peur parce qu'avec mon Olaf, je peux quand même counter pas mal ce pick, je pense. Je pense que je suis pas mal. Bon, eh bien on verra. On verra, on verra. On va avoir un petit problème de compo quand même. Hein. Bon après, nous on a du tankiness, on a des choses. Hein. Je dis pas qu'il peut rien se passer, mais. Alors normalement il y a un petit trick avec Olaf pour pouvoir faire les deux mobs en même temps. J'ai pas spécialement mis ça en place ici, mais il faudrait que je m'entraîne sur les petites mécaniques de jungle, vous pouvez prendre les deux d'un coup. Et ça c'est en général plutôt pas mal. Ah, pas de mana. Dommage, hop. Comment ça se passe sur les lanes, ok. Je vais essayer de venir top assez fast après mon raid. Oups là, putain, je suis bloqué par les mobs, super. Et j'ai fait des lancers de hache complètement pourris là. Pas terrible, hein. Pas terrible ce petit Olaf. C'est pas très propre. Faut vraiment que je fasse ultra gaffe à siège ici. Voilà, je prends la vision dans le bush. Sinon là je me fais instant. Ok, bon j'ai une gestion pas terrible de la jungle. Hein. Va falloir s'entraîner sur tout ça. Là je trouve que j'ai pas été très bon. Allez go. J'ai le ghost, j'ai le red buff. Normalement je l'ai là, non? Bam. Oh, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Oh! Ah, c'est pas loin en vrai, hein, mais. Allez, bien joué mon pote. C'était pas trop mal. Capacité de Olaf sur les affrontements tôt dans la partie, énorme.
C'était pas mal. C'était pas mal. En vrai, je vais plutôt. Parce qu'en fait, là, j'ai vu que la Sejuani, elle a du back, elle est pas bien. Je sais que je peux la 1v1 sans trop de soucis. Plutôt que de back trop vite, comme je le fais tout le temps, je vais voir si je peux pas asseoir encore plus la domination du truc. Ok, il y a une ward qui a été posée ici. Je sais pas trop par qui ni comment. Ah bah, c'est la Sej. Hein. Pas trop compris son délire, mais. Alors là par contre il faut pas que je reste trop longtemps. Et hop, là je suis vraiment pas safe. Go back les amis. Je sentais bien que j'avais moyen encore de d'aller un peu plus loin dans le dans l'écrasement du jungle adverse. Bon là je suis à 29 farms contre 16. 3, 2 levels de plus, 2 kills de plus. Bon là on est très bien. On est clairement très bien. Je vais prendre ça et je vais aller faire un Drake. Si... L'occasion se présente. Normalement, elle a commencé à son bleu. Donc, elle devrait y aller d'à peu près 1 minute. Faut que j'essaie vraiment de. Voilà, les points sur lesquels je dois progresser dans la jungle, c'est la gestion mécanique des camps de mobs. Très important. Et toujours essayer de savoir à peu près où est le jungler adverse pour adapter les choix en conséquence. Ça c'est vraiment la base. Ok, le GP qui fait des trucs ici. Attention quand même à toi, t'es très push. Il y a la Sejuani qui peut poser souci. Ah, j'ai pas pris le trinket, le raid là. C'était pas très malin parce que là ça m'aurait bien servi. Tac, je vais mettre une ward là. Ok, le top qui prend un kill, ça c'est très très bien. Est-ce que je peux récupérer un truc au mid là? Oh là là, si c'est, je le viens. Est-ce que je lui mets? Ah bon, là je m'expose un peu quand même, faut que je fasse gaffe. Un petit Orianna, si tu savais comment j'ai envie de te fight. Ce serait vraiment chouette que j'arrive à prendre la repop du raid en face. Faut vraiment que je joue à fond dans le counter jungle ici. Ok, je suis vu. Ça c'est pas ouf. Est-ce que je peux forcer le raid ou est-ce que ça va forcément me tomber dessus? Peut-être que je fais une erreur ici, peut-être que je devrais profiter là de la petite fenêtre que j'ai pour aller rush le Drake. Smite à 480. J'en ai même pas besoin. Ok, là je viens bot. Le timing est nickel, ils sont ultra push et j'ai le red buff, j'ai l'ulti et le ghost. Ça déjà ça tombe. Go hein. Go 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 les potes, nickel, je vais faire le Drake. Ok, bon je suis content de mes prises de décision là, je sais vraiment de progresser d'une partie à l'autre pour essayer toujours de faire au mieux. Ok, Sej qui est top, c'est parfait, alors qu'il y a le Drake de up. Ça c'est un peu bizarre qu'elle soit pas venue essayer de le contester au moins un petit peu. Smite à 510. Go 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 là. Non, pas go. Ok, pas go. J'étais très chaud pour y aller, mais bon. Ok, le top qui fait des choses, c'est chouette. J'ai l'impression que j'ai une team vraiment sympa et moi je suis. J'ai réussi à faire un début de partie vraiment correct. En général, les débuts de partie c'est là où c'est le plus volatile et où je fais parfois des erreurs de débutant. Et là j'ai réussi à faire les choses bien. Alors j'ai pris une grosse avance, il faut vraiment là que je sois actif pour la conserver et l'exploiter au max et ne pas trop me reposer sur mes lauriers à jouer chill. Je pense qu'il faut que j'aille choper le carapateur ici. Je vais essayer de back au moment le plus judicieux. Peut-être aller remettre un gros coup de pression sur la bot lane ou alors aller choper quelque chose au mid. On va voir ce qu'on fait. Alors Yana, on peut peut-être faire un truc dessus là.
En vrai, attends, mais les bots, ils sont fous d'être poche comme ça, là. Moi, j'y vais, hein. J'y vais mille fois, en fait. Ok, ça touche pas. Ok, il y avait presque, y aurait presque moyen de faire un truc ici. Bon, j'ai été très agressif, je back. Bien joué. Alors, bon, j'ai pas l'assist, c'est un peu triste. Je vais rester là, des fois qu'il y a une siège Juani. À mon avis, vous devriez jouer safe, on n'a pas de vision sur le jungler adverse, là. Moi, j'en profite pour faire mon petit back. On va y aller comme ça. Est-ce que je prends... Je vais pas prendre les bots tout de suite. Alors, peut-être que là, je devrais prendre... On a quand même beaucoup de contrôle en face. Peut-être que ce serait mieux de prendre les Mercuries et de manière un peu exceptionnelle. Normalement, sur Olaf, les tabis, c'est vraiment mieux. Mais là, j'avouerai que je me pose quand même la question. Bon, ça sert plus à rien que je vais nommer de maintenant. Niveau 9, Orianna, décidément. Il va falloir que j'essaie d'aller la calmer un petit peu. Ok, je me suis fait counter. Enfin, je voulais dire qu'il y avait sûrement CG ici. J'ai oublié de prendre le trinket rouge une fois de plus. Elle a raison, hein, d'avoir essayé de rétablir un peu les choses. Alors, du coup, c'est bien possible qu'elle soit pas loin, là. Hein. Ouais. Est-ce que je suis vu? Là, c'est quasi sûr que je suis vu, ouais. Je vais essayer d'aller faire un petit tour dans la jungle adverse. Faut que je fasse attention à pas trop m'exposer non plus. J'ai pas de vision sur le mid. Bon, je vais retourner farmer tranquillement. Ou alors, venir sur le top, non. Farmer. Je vais retourner vers la botlane en vrai, hein. Je pense qu'elle suit bien la botlane, je vais essayer vraiment d'enfoncer le truc. On peut faire un truc GP si tu veux. Je suis prêt à counter gank. A voir si ça veut fight. Si t'arrives à me caler peut-être un slow. Comment j'ai pu louper la hache là? Ouais, faut que je fasse attention parce que la hache, c'est pas du tout comme le hachoir de Mundo en fait. C'est-à-dire que... Faut vraiment étendre le curseur au max pour utiliser la portée du sort, quoi. Et il faut pas juste piquer la direction comme sur un coup près de Mundo, où là ça part tout seul à la portée maximale, quoi. Ok, j'ai vu un petit Yasuo venir par ici. Oh, j'ai tellement envie de le rush. Bon, là malheureusement je pourrais pas le choper. Ah, c'est frustrant. Allez, là, go par contre. Go, go, go. Non. Oh, je joue tellement mal. Je suis tellement mauvais. Oh, j'ai une gestion horrible de la fight. Oh, je suis déçu. Je me suis retourné. J'ai pas pris de décision. La team, elle s'est arrêtée en plein milieu. Oh là 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 là, horrible ce qui s'est passé. Ils s'en sortent tous avec 2 PV. Ah, j'ai été très très mauvais ici. C'est triste. C'est vraiment triste. Bon, je vais quand même... Ah, j'ai même pas de bot du tout en fait. C'est peut-être pour ça aussi que ça va pas aider. Oh là là, je suis déçu. J'avais vraiment moyen de faire des choses là. J'étais énorme dans la fight. Et on est en train de se faire remonter complètement alors qu'on avait, on avait fait un début de partie génial. C'est vraiment triste. Allez, je vais essayer de faire mon mieux pour revenir faire des trucs quand même, mais là... Oh là là, la déception quoi. Bon, je vais rush le Drake. J'ai encore oublié de prendre le trinket rouge, décidément. Est-ce qu'ils le font là? J'ai pas l'impression. Je pense que on a encore un tout petit peu de temps devant nous. Ah si si, ils le font, d'accord. Alors là, go par contre. Hein. S 570 le smite. Hop là. Le petit infernal, GG les potes, ça c'est vraiment très bien, on en avait besoin. Ça nous remet du coup bien mieux dans la game. Allez, maintenant ça va être opération counter jungle pour Sage. Il faut vraiment que j'arrive à la mettre au fond. Elle a bien géré le retard que je lui ai imposé, elle l'a bien remonté je trouve.
suis vraiment déçu de ma fight ratée là, où j'ai une gestion mécanique de mon perso complètement foirée. J'arrive Olaf, pas Olaf pardon, GP, dommage, ça aurait pu faire des trucs. Allez j'y vais. Est-ce que je peux faire le 1v2 ou est-ce que c'est complètement con? On va vite le voir. Je pense que ça peut tomber assez vite. Et bah voilà. Allez, on pêche maintenant. Ok, j'ai refait des trucs, c'est vraiment bien. Là, j'étais un petit peu déçu pour l'instant de mes prestations en fight. Olaf, en fait, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller, quoi. Ça demande un petit peu de balls comme champion, mais il faut pas avoir peur de foncer dedans, parce que c'est comme ça qu'on met vraiment à profit la capacité énorme du champion. Je pense que je vais back, là. Je suis un petit peu deck, je pensais qu'il y avait des choses à prendre dans la jungle, et j'ai plus de vision sur la bot lane. Je vais prendre les bots quand même, et par contre il va falloir assez vite de la res magique. Hein. Je vais vendre ça, et je vais attendre d'avoir le coup près. Un petit peu chiant, j'aurais dû prendre un creep de plus. Et je vais peut-être rush le héros de la faille. A mon avis ça peut être un plan. Allez go go go. Donc le choix d'établi est peut-être mauvais. Ça j'ai un petit doute là-dessus. Bah normalement il faut pas trop... Enfin c'est vraiment ce qu'il faut prendre sur... Ah oui d'accord, ils l'ont fait sans moi. C'est vraiment ce qu'il faut prendre sur Olaf, hein, parce que vous avez déjà une capacité à vous enlever les CC avec l'ulti. Mais contre une team comme ça, il y a quand même pas mal d'AP et beaucoup beaucoup de contrôle, ça aurait peut-être été le meilleur choix tout de même. Ok, bien joué la bot. Merde, je regarde mes potes mais je joue pas. Ça c'est pas conseillé. Là je pense qu'il faut push à fond, il faut pas les laisser respirer. On est en train de les mettre vraiment derrière. GG Garen, bon je pense que t'as pas besoin de moi, je peux venir éventuellement, mais allez vas-y, barre-toi. Barre-toi, moi j'arrive. Ah oui, on a un ulti de CH qui est parti. Ça touche. Bon, je sais pas s'ils veulent fight ou pas, moi je vais tranquillement rester là. Il y va ce fou. Ce fou de Garen, il y va. Il a bien raison. Bon, j'aurais peut-être pu foncer un peu plus pour essayer de faire plus de trucs. Je sais pas, j'ai fait ce qui m'a paru être bien. Faudrait que je prenne un peu plus de pink ward. C'est-à-dire que j'en ai absolument pas pris. Là, c'est pas très bien ça. Bon, alors toi, j'ai tellement envie de la all-in. Est-ce qu'il y a du monde avec elle? Si elle est toute seule, je peux la dive. Hein. Voilà, bon j'ai mis, j'aurais peut-être même pu me passer de l'ulti, j'ai pas voulu prendre de risque. Attention quand même, parce que là, il y a potentiellement la botlane qui peut arriver. Ta place, je ferai pas le fou GP, essayons de pas donner plus de kills que ça. Allez, moi il faut que je continue à asseoir ma domination sur la jungle. Continuer à essayer d'embêter Sage. Pour l'instant, je suis pas satisfait de mon cooldown jungle, j'ai fait un très bon début, je l'ai mise au fond, mais après je l'ai laissé trop remonter, elle a eu trop d'espace pour jouer. Bon, cela dit, j'ai été peu présent dans la jungle parce que j'ai fait des kills sur les lanes, hein, donc c'était pas si mal, mais... ok, il y a une ward ici, il y a une pink. Il va y avoir son red buff qui va proc. J'ai très envie de faire des trucs, mais il va me falloir la team avec moi, là. Oh là 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 là, elle peut tomber tellement vite. Ça peut tomber. On est quand même un petit peu solo là. Hein. On est un petit peu solo, ça va être dur d'aller contester le raid en face. Drake, 20 secondes. Oh là là, oui. Oh oui, l'Oriana. Oh là là, j'ai été trop mauvais, j'ai mis l'ulti trop tard. Oh, je suis déçu, je suis déçu. Bon, il faut de la res magique là, hein. Il y a vraiment beaucoup trop de dépop magique en face. J'ai peur qu'on perde le Drake bêtement ici. Allez-y Garen. Non, non, il fallait te retourner sur Yasuo. Garen, tu le faisais, tu le pouvais le silence. On a fait tellement nimp, aucune cohésion de team. Garen, tu nous fais quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était immonde.
Allez, moi je vais essayer de rush le Drake là, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Moi j'avais fait de la merde, j'aurais dû mettre l'ulti juste dès que j'ai vu le truc d'Orianna qui proc. J'ai peur qu'on l'ait pas en vrai. Ils vont avoir un infernal, putain, je suis trop deg. Allez, go, vas-y, Janna, si tu... Oh là 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 là. Bon, bah là, c'est un peu la merde. Oh, je suis deg, j'ai essayé de faire des trucs bien toute la partie, et là, on est en train de se faire mettre au fond sur une prise de fight, être dégueulasse. Moi, bien sûr, j'ai encore oublié de prendre mon trinket rouge, décidément. Je vais y arriver un jour, vous inquiétez pas. Oh, je suis déçu. Bon, allez, faut prendre les tours. Faut prendre les tourelles à fond. Moi, il faudrait... C'est une blague? C'est pas sérieux, là? Ok. Mais je vais rester combien de temps immobilisé comme ça? Ok, merci, Janna. Là, je suis un petit peu estomaqué. Ouais, c'était encore une fois très, très mauvais. Le Garen qui est pas avec nous, et moi j'ai été beaucoup trop agressif là. J'ai un peu tilt de la fight dégueulasse et je fais un truc encore pire du coup. Aucune logique. Bon, allez, Garen, il faudrait que tu prennes la tourelle. Ah, c'est dommage, hein, il y avait un début de partie qui était vraiment génial, mais. Là c'est un petit peu un lancer de game qui est en train de se passer, malheureusement. Bon, le Garen qui fait des trucs au bot, c'est pas mal. Il me faut vraiment de la res magique. Et la gloire du juste, ça peut être un pic assez vital. Je vais le rush. On peut essayer de faire un H rapide éventuellement. Bon, début de partie très bien. Là, ensuite, mes choix, je joue trop agressif. Enfin, je me dis, en fait, Olaf, pour vraiment utiliser le perso, il faut pas avoir peur d'aller dans le tas. Et du coup, j'ai des morts un petit peu stupides. Voilà, donc là ils ont le Nash, parce que tout le Garen a l'air de s'en taper. Donc on est archi mal. Pourquoi je peux pas taper là-dessus? Ok. Bon, là je suis dégoûté, hein. Franchement, alors la partie n'est pas morte, hein, mais... ils ont un Nash qui est sorti, ça nous met vraiment mal. Heureusement, on a l'air d'avoir une botlane, un Twitch qui est pas mauvais du tout. Je vais essayer d'aller push le top tranquillement. Là, je sais pas, peut-être que je devrais être avec eux, mais je suis tellement déçu des fights à chaque fois, j'ai peur de à vouloir trop fight avec eux qu'en fait on perd juste la partie comme ça. Ok, là je commence à avoir des gros dégâts sur mon Olaf. On va voir si on peut pas faire des trucs. Est-ce qu'il y a un gromp à prendre ici? Oui. Il peut se passer un truc là ou pas? Ouais, je vais essayer de push le... Est-ce qu'il faut que je push ou est-ce qu'il faut que je def là? J'avouerai, je sais pas trop. Il y a quoi? Il y a une Morgana qui est cachée par là. Bah oui! Putain, le Zonia quoi. Depuis quand il y a des Zonia sur les supports? Je suis trop mauvais, je fais des choix de dégueulasses. Oh, on est en train de jeter la partie, je suis pas bon. Je suis tellement pas bon, j'ai fait de la merde au bot là. Enfin au top, mais j'ai voulu. Par contre, Garen, sois pas aussi con que moi s'il te plaît, j'ai déjà fait assez de la merde comme ça. Mais ils arrivent vraiment pas à def là? Putain, ils sont deux quoi. Bon, le Garen fait des trucs bien, mais il faut vraiment... Là en fait, on perd, en fait, là. Garen, allô? Non, on se rend pas, on gagne, hein, il faut juste qu'on ait un peu plus de cohésion. C'est tout, hein, il manque pas grand-chose, là. Allez, troisième infernal... Ah non, deuxième, on en a perdu un infernal. C'est vrai, ça. Faut
qu'ils arrêtent de pas avoir de mental, les gens par contre, à rager comme ça et à s'insulter, c'est un peu dommage, alors que là, la partie est loin d'être finie. Allez, on va aller choper l'infernal. J'ai toujours pas pris mon trinket. Par contre, là, vraiment, en fait, il va falloir def. Hein. On l'aura jamais. Je sens qu'on l'aura jamais, le Drake. Si on peut tomber la Caitlyn. Bon, bah voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, là. Dommage, on perd, je pense qu'on perd là-dessus. Enfin, c'est pas fini, hein, mais... On a un Twitch qui va se donner. Quel est le plan? Je ne sais pas. Là, il va falloir def. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Garen qui est en mode troll complet. Allez, moi, je prends ça. On va essayer d'être un tout petit peu plus solide pour pouvoir rester dans les fights. Oh là là, c'est décevant après le début de partie, quoi. Allez, 40 secondes avant le ghost. Par contre, le Twitch qui s'est donné, là, j'ai pas compris. On aurait vraiment eu besoin de lui. Je vais essayer d'aller par là, rester sur les lanes autant que possible. On est en train de se faire éclater, et c'est dommage. Putain, j'avais fait un début de partie qui était brillant, quoi, franchement. Triste, il faut que je dépêche, mais que je sois capable de venir avec la team s'il y a besoin. Allez, faut prendre des kills là, les potes. La Morgana, en vrai, elle nous met au fond. Ok, petite interruption, ça c'est pas mal. Allez, je reviens avec eux. On a un Twitch qui balance ses spells sur les alliés au lieu des ennemis, d'accord. Allez, j'arrive. C'est un ghost lâché dans le vide, très bien. Je veux, encore une fois, je veux à tout prix aider et je gaspille mes spells. C'est décevant. Bon bah là il va falloir push, mais j'ai vraiment pas voulu, je me suis dit ils vont se sentir mal et il faut que je les aide. Et puis je me retrouve avec un ghost claqué dans le vide. On s'en serait passé. Allez, si tu veux prendre le raid, vas-y Twitch. Allez, moi je prends un peu de farm encore, il va me falloir la gloire du juste, je devrais déjà l'avoir depuis longtemps en fait. Je suis peut-être un peu trop solo là, il faut pas que je me donne, là c'est vraiment pas le moment. Je vais essayer de clean ça au plus vite. Et de back, il faut pas que je donne de kill bêtement. Cela dit, on a un âge dans 10 secondes. Et ça il faudrait quand même... On ne leur donne pas. Bon, j'aurais aimé pouvoir back et acheter un petit truc. Faut vraiment qu'on arrive à choper la quête. Hein. C'est quoi ces prises là? Allez, tous ensemble s'il vous plaît. Il va falloir un bon focus. Alors là, moi c'est mon job d'aller... Allez là! D'aller rush la quête. Caitlyn, elle peut tomber vite, hein. Oh, j'ai envie d'y aller, mais j'ai vraiment peur de l'engage là. J'ai rien pour me régène. Ah oui. Ça dure combien d'années la cage de morgue là? On est sur une demi-éternité, très bien. Putain, les claques qu'elle met, c'est chaud en vrai. Je vais voir si je peux me régénérer un peu là-dessus. D'accord, super. Merci Yasuo. J'ai peur, je sais pas jouer sur ce genre de configuration où on se tourne autour, j'ai horreur de ça. Bon, ça va qu'avec Olaf, contrairement à Udyr, j'ai quand même le Q-spell qui peut être utile. En vrai, moi je dis Gonash. Hein. Tous là. Hein. Tous. Allez.
Là, il faut qu'on le prenne. Hein. Les yeux au bot, il faut que la team soit là par contre. Yes, ça c'est bien. Ça nous fait un H là. Alors, on perd une tourelle bot. Allez, GP, essaie de tenir s'il te plaît. 850 le smite, il faut pas que je le rate, c'est mon taf. Ok, je l'ai. J'ai smite un tout petit peu trop tôt, j'ai fini l'auto-attaque. Je vais rush le Drake. Là, je vais avoir la gloire du juste. La Caitlyn, j'ai envie d'y aller. What the fuck? Mais c'est pas normal qu'elle me pète comme ça, sérieusement. Bon, c'est bien qu'il la récupère. Comment elle peut me péter comme ça? Oh, putain, j'ai les tabis en plus, quoi. Et du coup, ils ont le Drake. Oh là là, je pense que c'était une erreur, encore une fois, d'y aller. Je suis archi déçu. Pas facile, cette partie, hein. Vraiment pas facile. Bon, on a un H, mais là, je l'ai perdu bêtement. Je sais pas à quel moment Olaf se fait 1v1 par une Caitlyn. Je pense que c'est juste que j'ai eu une prise de fight trop crade. Et que peut-être j'ai mis l'ulti alors que j'aurais pas dû, parce que ça m'enlève mes raises. Sûrement que c'est ça. Enfin, je suis passé de 6-1 à 6-5, je crois. C'est un petit peu décevant. Bon, après, je fais des trucs, hein, mais... Et là, je suis vraiment... Dans ma partie, je suis balèze, hein. J'ai level 16, 200 de farm, il me manque plus qu'un item. Mais, putain, les erreurs que je fais, quoi, c'est affolant, hein. C'est vraiment affolant. Bon, là, j'ai la gloire du juste. Ça va me permettre d'avoir des engages, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu trop de moments où on n'arrivait pas à lancer les fights, en fait. J'aurais même dû le prendre plus tôt, cet item. Normalement, j'aurais dû le prendre avant le visage, mais là, j'ai pris le visage parce qu'il y avait quand même beaucoup d'AP en face. Je pense qu'il faut qu'on arrive à choper les... Il a raison, en vrai, le Garen. Hein. Moi, je pense qu'il faut pas, qu'on soit toujours en bloc. Hein. Il vaut mieux essayer de push un peu les lanes, c'est ce que je vais faire. Alors, est-ce que c'est une connerie ou pas? Attends, non, en vrai, là, on peut les prendre au mid, je pense. Ok, on a un Yasuo solo. Est-ce qu'il est là? Je pensais qu'il serait là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils fight pas. Ok, on a un Twitch qui a fait des trucs. Bon, ouais, j'allais faire le raid maintenant que je suis là et que je suis pas dans la fight, mais... Bon bah ça c'est bien, ça veut dire go inhib. Go go go, là faut push tous au mid. Là moi je suis encore tout frais, j'ai l'ulti, j'ai le raid. Allez, on peut faire plein de choses là. Hein. Oh, je pense qu'on peut finir en vrai. Hein. Je pense vraiment qu'on peut finir là. Oh là 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 là, encore une fois, ça c'est. Enfin, je sais pas, je suis allé dans la fight, j'ai tanké, j'ai mis des dégâts. Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Certainement. Hop, bon, je pense que là le focus Nexus était pas mal, c'est trop souvent que je me dis putain on perd alors qu'aussi on avait fait focus Nexus on aurait pu gagner. Ouf, c'était pas facile hein. C'est donc une victoire, ça fait du bien, mais écoutez, très très content de mon début de partie. Je pense que vraiment là, les premières minutes, la jungle, les premiers ganks, les premières actions, j'ai vraiment été très bon. Et après passer ce petit moment où j'étais vraiment bien dans ma partie, bah, je pense que j'ai très mal exploité l'avance que j'ai réussi à prendre. Et j'ai enchaîné les erreurs ensuite en essayant de bien faire, en sachant pas trop quand fight, quand pas fight, quand invade, quand farmer. Et je pense que là j'ai un petit peu j'ai mal exploité ce que j'avais réussi à choper. Donc c'est pas grave, hein, c'est ce sur quoi je dois progresser, donc je vais continuer à essayer de faire de mieux en mieux.
Et puis en essayant de continuer à faire ce genre de début de partie, mais en l'exploitant mieux et en essayant vraiment de snowball, parce que Olaf normalement c'est un perso qui snowball bien. Et là je me suis complètement fait calmer dans ma montée en puissance dans la partie. Bon voilà, ça arrive. Mauvaise gestion de ma part. Et intéressant pour voir les points sur lesquels je dois progresser. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, j'ai une playlist sur ma chaîne où vous aurez plein de parties à la chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, le lien est en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.